Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le président de la République, Amjit Boun, a présenté ses condoléances aux familles des victimes du crash d'un hélicoptère militaire survenu dans la nuit de mercredi près de l'aéroport d'El Mnira. L'accident a fait 3 morts. L'avenir de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine de l'énergie est prometteur. Déclaration du vice-chancelier allemand à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la République, qui a reçu également le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz. Le 7e sommet aura lieu la fin du mois en cours en Algérie. Christopher Ross fustige les médias et le gouvernement marocain qui mènent une campagne de désinformation et de fausses accusations contre lui. Le Marzin souhaite, selon Ross, un envoyé onusien dépourvu de neutralité. Alors qu'un nouveau cycle de négociations entre l'entité sioniste et Hamas a débuté hier au Caire, l'armée d'occupation a intensifié ses bombardements sur Rafah, faisant 130 morts en 24 heures. Un sondage sur l'audimat des radios nationales et locales a été réalisé. Les résultats sont positifs selon le directeur général de la radio. Une rencontre a été organisée à cet effet en présence de Kamel Sidi Saïd, conseiller du président de la République. Et comment les Algériens se préparent-ils pour le mois de Ramadan côté finance? À suivre un reportage de Smaïl Mimouni. Du football avec le début de la phase retour du championnat. De matchs au programme aujourd'hui. MCO et Sochelle fait entendre de ses tifs. Yassim Khanchila. Bonjour à tous. Suite au crash d'un hélicoptère militaire survenu dans la nuit de mercredi près de l'aéroport d'El Mnira, le président de la République, Amjit Boun, a présenté ses condoléances aux familles des martyrs et à l'ensemble des membres de l'ANP, les assurant de sa profonde compassion. Le crash a entraîné le décès du colonel Amar Areda, du lieutenant-colonel Jalal Yassine et du sergent contractuel Belgharbi Mohamed. De son côté, le général d'armée Saïd Chengriha a adressé un message de condoléances aux familles des victimes de ce crash survenu lors d'un vol d'instruction planifiée nocturne et ordonné l'ouverture d'une enquête. Condoléances également du président du Conseil de la Nation, Salah Gougil, et du président de l'APN, Brahim Bourali, aux familles des victimes. L'avenir de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine de l'énergie, notamment en matière d'exploitation de l'hydrogène vert, est prometteur. Déclaration du vice-chancelier et ministre de l'économie et du climat allemand à l'issue de l'audience que lui a accordée hier le président de la République. Robert Habeck a mis en avant les grands potentialité de l'Algérie dans le domaine énergétique. On l'écoute. J'ai été chaleureusement accueilli et le moment fort reste l'audience que m'a accordée le président de la République. Une rencontre caractérisée par la sagesse du président Tebboune. Mon déplacement en Algérie est consacré essentiellement à la coopération dans le domaine économique et énergétique. La prospérité de l'Algérie est liée étroitement à la rente énergétique, principalement le gaz. Notre gouvernement fédéral remercie le gouvernement algérien pour avoir augmenté notre approvisionnement en gaz lors de la guerre en Ukraine. L'Algérie a un grand potentiel dans ce domaine. Un pipeline de gaz existe déjà reliant l'Algérie à l'Allemagne. Donc les infrastructures sont là et peuvent être exploitées facilement pour créer un environnement rentable. Et suite à l'audience que le président m'a accordée, je suis très optimiste concernant l'avenir. Et en prévision du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie prévu fin février en cours, le chef de l'État a reçu également le secrétaire général du Forum. Parmi les points abordés, les préparatifs de ce 7e sommet qui sont à un stade avancé, ainsi que l'état du marché énergétique et le rôle important du gaz naturel dans le développement durable, a déclaré Mohamed Hamel. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. J'ai exprimé au nom du Forum nos remerciements et notre reconnaissance à l'Algérie qui va accueillir ce 7e Forum des pays exportateurs de gaz. J'ai présenté au président un exposé de ma visite en Algérie et des préparatifs du sommet ainsi qu'un exposé sur l'Institut de recherche pour le gaz dont le siège est ici en Algérie. Nous avons aussi abordé l'actualité du marché énergétique et l'importance du gaz liquéfié dans le développement durable et la sécurité énergétique. Le président a donné des conseils et des orientations pour que ce forum soit un succès. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Nouakchott, porteur d'une lettre du président Majid Tebboune à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al-Razouani. Cette visite s'inscrit dans le cadre des traditions de contact continu et de concertation régulière entre les dirigeants des deux pays en vue de renforcer la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et les derniers développements dans la région du Sahel et les
les efforts de l'Algérie visant à promouvoir les solutions pacifiques pour le règlement des conflits et crises ont été abordés lors d'un entretien téléphonique par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Almeida Claudia Del Rey. Au sixième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, en qualité de représentant du président de la République, le général d'armée Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'ANP, s'est entretenu hier avec le chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, Fayed Ben Hamed Al-Rouaili. Et dans une allocution prononcée à l'occasion, Saïd Chengeliha a mis en avant l'importance de cette visite, espérant qu'elle soit couronnée par les résultats escomptés au service de la coopération militaire et le rapprochement fraternel entre les deux pays. Nous espérons que cette visite permettra d'aboutir à des résultats souhaités par nos deux pays pour renforcer notre coopération militaire commune et notre attachement militaire. Un attachement issu des différentes visites et rencontres officielles de haut niveau entre nos deux armées. La dernière en date, notre rencontre à Rio de Janeiro, au Brésil, en avril 2023, en marge du Salon de la Défense et la Sécurité. Et tout en vous présentant mes sincères remerciements de nous avoir honorés par l'invitation d'assister à la deuxième édition du Salon mondial de la défense à Riyad et pour lequel nous souhaitons toute la réussite, nous vous réitérons notre engagement de fournir tous les efforts possibles afin de définir les axes fondamentaux et complémentaires qui mèneront à définir la stratégie de notre travail commun et comment atteindre les objectifs dans l'intérêt des deux armées. Christopher Ross fustige les médias et le gouvernement marocain qui mènent une campagne de désinformation contre lui et de fausses accusations lors de l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de l'exercice du droit de réponse, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental a démasqué le Marzen qui souhaite, selon Ross, un envoyé onusien dépourvu de neutralité, Nasser Amejadel. Christopher Ross réagit aux accusations fallacieuses publiées sur le site Maroc Diplomatique et à celles déjà exprimées par de hauts responsables marocains concernant une prétendue hostilité envers le Maroc dans des tentatives de diffamation à cause de sa neutralité dans le dossier sahraoui. Le diplomate a précisé qu'il a œuvré comme envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental pendant 8 ans. Il a rappelé que sa mission, telle que définie dans les résolutions successives du Conseil de sécurité, est de faciliter des négociations directe entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, afin de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Soulignant que son rôle de facilitateur lui imposait une neutralité absolue, Christopher Ross a tenu à signaler que jamais, une seule fois en 8 ans, il n'a épousé une proposition spécifique pour le règlement du conflit au Sahara occidental, malgré la forte pression du Maroc pour plaider en faveur de l'autonomie sous une prétendue souveraineté marocaine, alors que le Front Polisario continue de plaider en faveur d'un référendum d'autodétermination incluant l'indépendance comme option. Ross a également rappelé que l'Algérie a toujours été en faveur d'un règlement impliquant un référendum au Sahara occidental conformément aux différentes résolutions onusiennes. Il affirme à ce titre que le Maroc était clairement déçu que l'Algérie ne puisse pas être amenée à faire davantage pour promouvoir un règlement à son goût et que, en tant qu'État souverain, elle a maintenu sa position. On en vient à présent à la situation à Gaza où l'armée d'occupation israélienne a intensifié hier ses bombardements sur Rafah et Washington, avertit du risque d'un désastre dans cette ville de la bande de Gaza où s'entassent plus d'un million de Palestiniens ayant fui les bombardements. Le ministère de la Santé à Gaza dénombre 130 morts au cours des dernières 24 heures. Au volet diplomatique au Caire, un nouveau cycle de négociations parrainé par l'Égypte et le Qatar a débuté hier et selon un responsable égyptien, Hamas est ouvert aux discussions et des désireux d'arriver à un cessez-le-feu, mais les négociations seront difficiles, a-t-il ajouté. Et des photos et vidéos publiées par les soldats de l'armée d'occupation sioniste montrent un homme palestinien nu menotté en face d'un soldat. D'autres vidéos circulaient les semaines dernières sur les réseaux sociaux montrant les corps sans vie de détenus palestiniens menottés, nus et entassés les uns sur les autres à l'hôpital Shifa. Sur ces opérations, on écoute les détails de ces exécutions sommaires perpétrées contre des civils palestiniens avec Amani Salahna, chargé de communication de la commission. Elle est contactée par Karima Asnaoui.
Les faits sont là. L'occupationniste exécute bel et bien des détenus palestiniens. Des exécutions sommaires qui font partie de la mise à mort des civils palestiniens sur le terrain. Des civils qui sont arrêtés, placés en détention et après exécutés d'une balle dans la tête par l'occupant israélien. Les images qui nous sont parvenues grâce à des témoignages obtenus à Gaza dans le périmètre de l'une des écoles de Beit Lahia n'est qu'une partie de la réalité des crimes horribles contre les détenus de Gaza. La radio, un média de proximité par excellence, le constat a été dressé hier à l'occasion d'une rencontre, la première du genre, organisée au Centre culturel de la radio à Aïssam Saoudi, initiée par la direction générale et portant sur un sondage et des analyses, des techniciens de la radio relatifs à l'impact de ce média sur les auditeurs. Et une rencontre a réuni le directeur général de la radio, Mohamed Barali, les différents directeurs de chaînes, des opérateurs économiques et patrons de téléphonie mobile, et du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication. Pour Kamel Sidi Saïd, la radio nationale confirme son statut de leader dans le domaine de l'audiovisuel. On l'écoute au micro de Smaïl Mimouni. Je tiens à remercier le directeur général de la radio nationale pour cette initiative de présenter les chiffres réels de la radio nationale. On doit être fier de notre radio qui est leader dans le domaine de la communication et dans le domaine de l'information. Donc on a vu avec le sondage, qui est une première qui vient d'être réalisée, l'impact de la radio nationale sur les auditeurs. On voit la percée des radios locales partout sur le territoire national. Par ailleurs, la radio nationale confirme aujourd'hui son statut de leader dans l'audiovisuel algérien. Et je tiens ici pour rendre hommage à tous les gens qui font que la radio fonctionne, transmet, véhicule les préoccupations des citoyens, défend les intérêts stratégiques de l'Algérie, ce qui est très 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 important. Je pense que le meilleur est encore à venir. Parce qu'il y a des projets ambitieux pour le développement de la radio nationale, d'une part sur le territoire national. On va encore donner plus de moyens aux radios locales. On va encore donner plus de moyens aux radios nationales. On va encore donner des moyens encore supplémentaires aux radios internationales, comme la radio internationale Ifriqiya FM, qui a l'ambition de venir parmi les radios leaders en Afrique. Tout cela rentre dans le cadre des instructions de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui attache une importance particulière au développement des médias nationaux, particulièrement les médias de l'audiovisuel. De son côté, le directeur général de la radio nationale a rappelé l'importance d'une telle rencontre et il revient sur le sondage qui a concerné plus de 11 000 citoyens. Il est Mohamed Barali au micro de Smaïl Mimouni. C'est une opération qui nous tient à cœur. C'est une opération d'envergure qui n'a jamais été réalisée par un média algérien. 11 064 citoyens sondés. On a mis une équipe de pas moins de 200 employés de la radio algérienne, journalistes, correspondants, techniciens en informatique, techniciens tout court sur l'opération. 100 heures de travail d'analyse. Une plateforme d'analyse qui a été réalisée par les ingénieurs de la radio nationale. Et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'était les chiffres qui attestaient que la radio nationale était toujours le média le plus impactant, le plus pénétrant dans la société algérienne. Les radios locales arrivent en premier. La résultante de cette opération nous donne le chiffre de 25% de sondés consomment la radio nationale sur leur smartphone. C'est un chiffre énorme déjà. Et puis ça nous oblige d'aller un peu plus dans la profondeur de cette digitalisation. Ce qu'on a réalisé jusque-là était énorme. Une nouvelle plateforme digitale, une application mobile qui est téléchargeable sur iOS, sur Android et tout récemment sur Huawei. Une application mobile pour Ifriqiya FM aussi. Une direction des systèmes de l'information qui a pour mission de développer l'activité digitale de la radio nationale et de la sécuriser. Le lancement de la diffusion via le live streaming vidéo. Donc on a réalisé beaucoup de choses. Mais les 25% quand même, c'est un chiffre qui nous interpelle et qui nous oblige à faire un peu plus dans ce domaine, dans cet espace qui est l'espace digital. Nous sommes à un mois du mois sacré de Ramadan, un mois où les dépenses des ménages augmentent. Comment justement les Algériens s'y préparent-ils côté finance? Élément de réponse dans ce reportage signé Smaïl Mouni.
Comme chaque année, à l'approche du mois de Ramadan, les ménages prévoient un budget spécial. Nous nous sommes rapprochés de quelques citoyens. Mohamed est responsable dans une administration. Il estime que le mois de Ramadan est une bonne occasion pour rationaliser les dépenses. Il faut consommer modérément et non pas gaspiller et non pas exagérer dans les achats, voilà, le stock, etc. Le budget peut-être il sera un peu plus concernant des fois peut-être c'est aider les autres. Souad est enseignante. Pour elle, le mois de Ramadan est une occasion pour faire des économies. J'ai jamais mis de côté le budget spécial pour Ramadan. On fait au jour le jour. Alhamdoulilah, ça a toujours marché. Les campagnes de sensibilisation, meilleur moyen pour inciter à la consommation avec modération. Hassan Menouar, président de l'association El Aman. C'est un mois où il faudrait consommer moins, songer juste à la spiritualité, à la solidarité, aux actions de bienfaisance. Et c'est aussi un mois où on devrait faire beaucoup d'économies. Pour nous, l'association El Aman, on va continuer à faire notre campagne avec les mêmes messages de sensibilisation des années précédentes. Le mois de Ramadan revêt un caractère spirituel qui devrait encourager la modération et éviter le gaspillage. Reportage signé Ismaël Mimouni du football avec le début de la phase retour du championnat de Ligue 1. Aujourd'hui, deux matchs au programme Mouloudia d'Oran à Essouchelfa 15h15. À 16h15, l'entente de Sétif recevra l'USM Franchela à la suite de cette journée. Demain, samedi et dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chef.